Assassin! Libérez le prisonnier! Assassin! Libérez le
prisonniers politiques. Libérez les prisonniers. Les prisonniers politiques. Comme tu as pris là, tu maintiens la main, tu parles. Assassin. Aujourd'hui, nous sommes devant l'ambassade du Cameroun en Belgique pour passer un message. Dame Sangoué a été assassinée de manière macabre au Cameroun. Pendant que son mari a été entraîné, emprisonné dans les viols infestes du régime, sans aucune raison, nous exigeons aujourd'hui sa libération. Et nous exigeons que des enquêtes soient menées pour déterminer qui a assassiné Dame Sangoué. Justice pour 6 ans Zamboué. 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 Assassin. 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 Nous sommes venus vous informer que le Cameroun est dirigé par un dictateur qui est au pouvoir depuis 42 ans, qui vole les élections, qui tue la population, qui pille, il vole l'argent public pour aller dans les hôtels en Suisse, pour passer des séjours onéreux. Kobia n'a pas construit de route au Cameroun. Kobia n'a construit aucun hôpital au Cameroun pendant 42 ans. Nous voulons que Pompia dégage. 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 Et Pompia aussi, il porte de l'argent avec la complicité de tous ces agents qui travaillent dans les ambassades du Cameroun. Tous ceux qui travaillent dans les ambassades du Cameroun. Ils pillent les fonds publics. Ce sont des gens qui vendent l'argent du Cameroun. Ambassade du Cameroun, bande de voleurs. Bande de voleurs. Ambassade du Cameroun. Bande de voleurs. Voilà. Ambassade du Cameroun, voleurs. Voilà. Ambassade du Cameroun, voleurs.
Voilà. Et tous les autres détenus qui sont incarcérés.
Il y a des camions qui viennent juger par la justice militaire. C'est qu'il y a une violation de la place des droits. Ça vient. On a de nos policiers dans la main. C'est un mensonge. 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 C'est un On ne peut pas rester là, on ne peut pas rester là. Non, 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 je voulais voir tout face. On a cassé nos prêts ici dans cet ambassade. Alors ici, nous sommes ici pour le bon secret. Dans cet ambassade, c'est une ambassade considérée de voyous. De criminels. De criminels. Un échec de l'échec pour bien. Les ça, ils ont failli de criminels. Comment ils ont failli de criminels. Ils ont failli de criminels. Ils ont failli de criminels. Venir. Les responsables politiques qui ne manifestent pas pacifiquement sont arrêtés et incarcérés. Nous dénonçons ici que c'est injuste et que les comptes soient rendus par les forces, par des violations. Ce que ce n'est pas les forces armées camerounaises dans la population en réforme. Paul Biya, Paul Biya, assassin, 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 Paul Biya, assassin. Paul Biya, Paul Biya, est-ce qu'au Cameroun il y a la route? Non, aucune route. Il n'y a pas de route au Cameroun. Même il n'y a pas la lumière. Même l'eau. Au Cameroun il y a les hôpitaux. Non. Paul Biya, dégage. Dégage. On est d'autres parties. Nous au palo général. Allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Peuple camerounais, diaspora camerounais. Je vais prendre ma. Non. Une fois de plus. Je vais prendre ma mamie. Au niveau du Cameroun. Paul Biya a décidé, avant de partir, de mettre le Cameroun à terre. Est-ce que nous allons regarder Paul Biya? Non. Laisser le Cameroun par terre avant de partir. Non. Que nous allons accepter cela. Non. Aujourd'hui, partout en Afrique, les gens se réveillent. Le peuple camerounais doit se réveiller à partir du Cameroun. S'il faut des coups d'État, ils doivent aussi faire des coups d'État. Et nous les appelons les militaires à le faire. Les militaires au niveau du Cameroun doivent faire ce coup d'État. Il y a quelqu'un qui est passé sur Equinox. Il a dit si les élections en 2024 se déroulent et que le MRC, l'opposition, gagne les élections, eux, ils vont faire le coup d'État. Mais le Cameroun va faire, l'armée va faire le coup d'État pour le peuple camerounais. Pour le peuple camerounais. Et les Camerounais doivent être debout. Les Camerounais doivent être debout. Les Camerounais doivent être debout. Debout. Les Camerounais doivent sortir. Lui, Paul Biya ne peut pas partir. Il ne peut pas jouer les courants en devenant, en mettant le Cameroun à terre. Nous ne pouvons pas accepter cela. Nous sommes aujourd'hui devant, ici à Bruxelles, devant l'ambassade de. Je vais vous dire quelque chose que vous ne savez pas. L'ambassadeur qui est ici à Bruxelles, Edina Abe, c'est quelqu'un que je connais personnellement et très bien. Ce monsieur était formidable quand il était premier vice-consul à Paris. L'ambassadeur du Cameroun qui est là, Edina Abe, c'est un monsieur qui était formidable. J'ai pas compris comment on lui a fait tourner le cerveau. Ça sardine. Ça sardine. Je personnellement. Je dis, je ne sais pas comment on lui a fait. Ça sardine. Et je ne peux pas, nous ne pouvons pas accepter cela. Raison pour laquelle nous devons nous lever tous au Cameroun, ici en diaspora, et partout en diaspora, tous les Camerounais doivent se lever pour défendre ce que Sambou est pris et que sa femme qui vient d'être tuée. Ce n'est pas acceptable. Et raison pour laquelle nous sommes là, pour défendre le peuple camerounais et défendre
Les petits Belges, ils en parlent quoi? Ils savent qu'il y a quoi? Nous avons des droits, peuple camerounais. Nous avons aussi des devoirs. Aucun problème, ils sont chez eux. Pour dire non. Ils viennent chercher l'électricité chez nous, ils sont tranquilles. C'est un régime qui empêche les Camerounais de vivre, qui empêche les Camerounais d'avancer. Nous ne devons pas accepter cela. Oui. Raison pour laquelle nous nous a donné ici jusqu'à midi. Mais avant qu'on ne parte d'ici à midi, on doit faire du bruit. On ne doit pas rester tranquille. Nous devons faire du bruit. Nous devons que le monde entier nous entende. Oui, nous devons faire du bruit. Voilà ce que je veux dire pour l'instant. Voilà, je donne le micro à quelqu'un d'autre. Assassin! 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 Assassin!
immunitaire libéré. Alain Foguet libéré. Alain Foguet libéré. Immunitaire libéré. Immunitaire libéré. Alain Foguet libéré. 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 Annie, monsieur, nous ont agressé à l'ambassade, quand même, on l'a tout calmé. Oui. Mais attendez, Annie, si on a agressé les gens à l'ambassade, c'est quand même problématique, quand même. Hein. Annie, comme d'habitude, on est là. Mais oui. Mais monsieur, vous êtes quand même d'accord que si on agresse les gens à l'intérieur, c'est quand même problématique, n'est-ce pas? Oui, mais à l'intérieur, on ne sait rien dire, c'est le Cameroun. Mais oui, c'est là où il y a problème. Oui, oui, c'est vraiment. Agresser quelqu'un à l'intérieur. Mais c'est bien, vous n'avez pas lu à Belge. Oh là là. Vous le trompez quand même. Oui, je sais, mais on se retrouve en Belgique et finalement on se fait agresser à l'intérieur. Waouh. Waouh. Aujourd'hui, je ne fais pas des cauchemars. Waouh. Je ne fais pas des cauchemars. C'est ça la même probabilité. C'est-à-dire que même quand on a réussi à se réfugier en Belgique, on arrive au Cameroun et on peut agresser à l'intérieur. Allons manifester. On manifeste aussi. On manifeste. On manifeste. On manifeste. On manifeste. On manifeste. Ah, c'est lui qui avait tapé les gens là. C'est vous qui avez tapé les gens. Comme quand on vient les Camerounais vers l'ambassade, ils se font massacrer apparemment. Paul Bia! Paul Bia!
Paul Biya, assassin. 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 Paul Biya, c'était lui. Paul Biya, Paul Biya, c'était lui vraiment. Paul Biya, 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 attention, il y a des voitures, les gars. Voitures, hein. Essaye, c'est terrible. Hein. Ben, la voiture est massacrée. Ah, déjà, qui sait pas où. Ben oui, c'est. Eh oui. Waouh. On se retrouve à l'entrée de l'ambassade. Sans condition. Paul Biya libéré pour les prisonniers politiques et démissionner lui-même. Il doit démissionner. Même pas qu'un coup d'état, il doit démissionner. Et là, on doit organiser les élections en Pampou chez nous. Paul Biya tué dans Zambo. Paul Biya tué Martin Sérère. Je comprends pas. La manifeste, vous ne bloquez même pas cette rue. Attention, la manifestation n'est pas autorisée. On a la manifestation, il n'y a pas eu de demande. Normalement, on n'est pas accusé. On le fait parce qu'on entend très bien Annie, on connaît beaucoup de monde ici. Elle n'est pas autorisée. Il n'y a pas une demande qui a été faite. Non. Et ça, c'est le problème. Je vous ai déjà dit, Annie, c'est une demande officielle. Elle le fait jamais, on a un peu discuté avec vous de ça. Oui, en même temps, on n'est pas nombreux. Il faut mobiliser. Il a corrompu l'armée camerounaise. Paul Biya doit partir. Paul Biya doit partir. En 2024, Paul Biya doit partir. Et là, on lui demande de démissionner. Paul Biya ne peut pas. À 97 ans, on ne peut pas gouverner. Il n'a pas tout ce sens, Paul Biya. Paul Biya ne marche pas. Paul Biya ne tient pas debout. Paul Biya, il a une fille pour les ressources du Cameroun. Je vais m'entretenir avec elle pour lui expliquer. Il a vu ce qui s'est passé, Charlie. Il a vu ce qui s'est passé, Charlie. Paul Biya. Paul Biya. Assassin. Paul Biya. Paul Biya. Assassin. Paul Biya. Assassin. Il suit depuis 50 ans. Parce qu'il y a une mort, donc il a vu. Il n'y a pas de demande. Libérez les prisonniers. C'est lui qui allait vocaliser lui là. C'est lui. Comme il y a deux messieurs qui travaillent à l'ambassade, qui ont demandé qu'on ne puisse pas sortir. Quand je tournais, l'autre pour sortir, vu que c'est lui le vigile, il voulait fermer la porte et il a serré mon pied avec la porte et les autres m'ont tiré à l'intérieur pour me bastonner. Il dit que ce n'est pas lui ou quoi? C'est lui le vigile. T'inquiète, on viendra pour lui. Paul Biya! La première personne qui a parlé, c'est la dame qui a laissé la dame qui a laissé derrière. Paul Biya! Mais elle a fait ma part. Libérez les prisonniers! Les prisonniers politiques! Libérez les prisonniers! Les prisonniers politiques! Libérez les prisonniers! Les prisonniers politiques! Paul Biya! Assassin! Paul Biya! Assassin! La prochaine fois que tu viens à Dieu. Libérez les prisonniers! Les prisonniers politiques! Libérez les prisonniers! Les prisonniers politiques! Paul Biya! Assassin! Paul Biya! Assassin! Paul Biya! Assassin! Libérez les prisonniers! Les prisonniers politiques! Libérez les prisonniers! Les prisonniers politiques! Justice pour Martinez Zogo! Justice pour Madame Zamboué! Justice pour Zamboué! Nous demandons la libération sans condition de Pascal Zamboué. Nous demandons la libération justice pour Djibou Nissak. Justice pour Alain Foguet. Libérez les prisonniers. Paul Biya. Paul Biya. Paul Biya. Libérez les prisonniers. Les prisonniers politiques. Libérez les prisonniers. Les prisonniers politiques. Paul Biya. Assassin. Paul Biya. Assassin. Libérez.
Libérez les prisonniers. Les prisonniers politiques. Libérez les prisonniers. Les prisonniers politiques. Paul Biya. Assassin. Paul Biya. Assassin. Est-ce que nous allons regarder Paul Biya et son régime qui est le peuple camerounais? Non. Est-ce que nous allons regarder Paul Biya et son régime qui est le peuple camerounais pendant longtemps? Nous n'allons pas accepter cela. Jamais. Ni les grands temps. L'Afrique est en marche et le Cameroun doit emboîter le pas à l'Afrique. Oui, c'est ce que nous devons faire. Et nous commençons à partir de maintenant. Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya, et le régime de 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 Biya, Paul Biya, Paul Biya. Nous n'allons plus accepter cela. La lutte est en marche, il y a un vent qui s'est levé, et ce vent, nous tous, les Africains, les Camerounais, nous devons nous engouffrer là-dedans, n'est-ce pas? Toute l'Afrique doit s'engouffrer. Nous devons nous libérer. Et c'est par nous. C'est par nous. Alors, Paul Biya, dégage avant qu'il ne soit trop tard pour toi. Paul Biya, dégage. 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 Le peuple camerounais dans la rue. Bientôt, on va envahir Étoudi. Bientôt, nous allons envahir Étoudi. Le temps est compté. Le temps est compté. Monsieur Evina, dites à votre mentor qu'il est grand temps qu'il s'en aille. Monsieur Evina, vous que j'ai connu à l'ambassade du Cameroun, vous étiez l'exemple, je le dis, et c'est une réalité. Ce monsieur, cet ambassadeur, quand je parlais de lui, quand je parle de lui, je parlais, c'est quelqu'un qui était l'exemple. Oui, je dis, c'est quelqu'un qui était l'exemple. Aujourd'hui, ce monsieur n'est plus le même. Je l'ai connu de la sardine. Je l'ai connu à l'ambassade du Cameroun, où je l'appelais même par moi-même. Et ce monsieur, je vous dis, c'était l'exemple. Aujourd'hui, je ne le comprends plus. Alors, raison pour laquelle je dis, monsieur Evina, dites-le à Paul Biya de se dégager avant qu'il ne soit trop tard. Ce qui vient d'arriver à Ali Bongo, va lui arriver en deux fois plus. Paul Biya, c'est en deux fois plus. Il est grand temps que ce monsieur qui est gravataire, qui ridiculise le Cameroun partout où il passe dans le monde, laisse la place aux autres. Oui, et le gré à gré ne va pas passer. Non, parce que nous, les Camerounais sont prêts. Non, le régime de Biya, le régime de Biya, le régime de Biya, le régime de Biya, le régime de Biya. On va les pousser tous dehors. 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 Le peuple se prépare. Le peuple se prépare. Le peuple se prépare, 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 son heure va arriver, son heure va arriver, son heure va arriver, son heure va arriver.
ton nom va arriver. Et dans pas trop longtemps, 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 et ton nom va arriver. Ton heure va arriver. Balbia, 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 dégage, Balbia, dégage, Balbia, dégage, Balbia, dégage. Merci papa. Merci, Edouard. Bon, maintenant on va chanter le chant de la liberté, parce que la liberté est très très proche. Le Cameroun va se libérer très très bientôt. Et on va chanter le chant de la liberté. Après, on va passer un message à cette ambassade par rapport aux élections, aux inscriptions sur la liste électorale. Liberté! Liberté! Le Dieu du Saint-Paul, mon cher roi.